je suis à Grenoble, c'est juste. Ah ouais. Ça va. J'en parlais, mais Yann, il était carré, tout ça. Bah, we saw the noise we thought would cause the song. The song was a kind of eruption, mover of mountains, avalanche of crowns. Spécial du Rio ici. On entendait beaucoup parler du Rio à Lyon parce qu'on avait tendance à avoir des vagues qui partaient en septembre dans le sud-ouest, dans un endroit un peu secret et qui revenaient en général assez fatigués et contents. We'll be right back.
Alors, bah, dites-nous justement, donc alors ce soir, vous n'avez joué principalement de ce nouvel album. Voire exclusivement. Enfin, on a joué l'intégralité de l'album. Plus quelques surprises, plus, plus des moments un peu de jazz improvisés. Voilà. Donc cet album vient de sortir le mois dernier. En fait, il est sorti aujourd'hui, plus ou moins officiellement, je crois. D'accord. Mais bon, effectivement, il y a des fuites. Ouais. Non, mais en fait, il est public depuis un mois, ouais, effectivement. Thank you.
you have a pattern. But maybe there are more of them. Pour laquelle on les revoit si vite après la fois précédente, puisque pour ceux qui étaient à Carmo, vous vous souvenez qu'en 2017, ils avaient participé à l'avant-dernière édition. Et bien, le festival les a recontactés, il se trouve qu'ils étaient de toute façon en tournée à ce moment-là. Et donc, tout a bien collé, les étoiles se sont alignées. Et voilà, on les voilà donc déjà de retour. Albums and then in itself for you, or is it mostly about the live performance? How do you see albums as a record of the music that you're doing? What's more important? Composition, I think, is important most, and with as many mediums to present that composition, and live is often very different to how we would present on a record. Today there's 5 of us, sometimes there's 7 of us, so even live we play different. Tonight we didn't really play any new material, but it was all different. And if anyone's aware of the material, it was kind of chopped up and moved around. So. J'aime bien lui. J'adore. Hein. C'est vraiment la personne. Ça y est, on est shooté. Ah, mais je connais.
play, like for instance, François plays, he studied classical saxophone actually a long, long time ago, so he's thinking maybe to begin playing saxophone again, so who knows. It might just be a joke. No way. It's true. Donc d'autres multi-instrumentistes qui tiennent à se révéler là. Je crois que Guillaume il joue de la guitare aussi dans d'autres. Guitare, oui, bien sûr. Je joue pas un truc. Et toi, après, si, un peu de batterie. J'ai commencé par la batterie. Ça fait pas mal de coopération, des choses comme ça. Ok, juste pour expliquer, évidemment, à cause de la pluie, il y a un petit changement de plan. Alors moi, normalement, je vais faire un truc, disons, ambulant, mais plutôt ambulance qu'ambulant. Alors bon, ça, je ne fais pas. La démo, avant d'être réunis vraiment, ce qui n'a lieu que cette semaine. Oui, bah, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, on travaille chacun de notre côté, mais ça a toujours été comme ça. Je veux dire, depuis que j'ai rejoint le présent, on travaille comme ça. Bah, c'est un peu nécessaire, vu qu'on est un petit peu épars aux quatre coins du monde, avec Dave qui est en Suisse, qui est à New York, donc on a l'habitude de travailler comme ça et d'avoir toujours un... Dans le cas de cette résidence aussi, il y avait évidemment un autre facteur qui était d'intégrer François, Mignot dans le groupe, et je dois dire qu'il nous a tous épatés par le boulot qu'il a fait et par la rapidité.
personnalité avec laquelle il s'est intégré dans le groupe, comme s'il avait toujours été là. Donc vraiment, chapeau bas, je trouve que c'est bête qu'il soit pas là, parce que je trouve qu'il mériterait le sac de la Voilà. J'ai interviewé tout à l'heure avec Pignol, donc on a un petit peu parlé des conditions dans lesquelles il a rejoint le groupe. So one of the challenges also of this particular residency was to get François into the band and rehearse with him, and they were very impressed with what he delivered. Parce qu'en fait, François est venu à Bruxelles deux fois, deux jours, mais on n'a rien branché. C'était vraiment travailler avec Roger, aller à travers les partitions, s'assurer qu'il comprenait ce qu'on attendait, etc. C'est tout. Donc, il s'est branché pour la première fois avec le groupe, dimanche. Donc, ce que vous avez vu ce soir, c'est son travail de 5 jours, je sais pas. So François came to Brussels a couple of times to work together with Roger and Pierre, but not actually playing, really, or plugging instruments. So really what you heard tonight is the result of those 5-6 days of work here. So it's quite impressive to see. Roger, tu peux nous dire un ou deux mots de comment continue cette composition, parce qu'on a entendu donc les 25 premières minutes. Comment quoi? Cette nouvelle composition 2018. Ouais. On a entendu les 25 à peu près premières minutes, hein, j'ai chronométré. Ouais. Ouais. Donc je crois que cette pièce, elle fait 50 minutes ou une heure ou plus. Non. Au départ, ça faisait plus ou moins 50 minutes.